pour imposer sa voix. Elle est remontée, Laurence. NKM fait campagne. C'est tout droit vers la primaire de la droite et du centre. Et tant pis si ça ne plaît pas à tous les hommes politiques. Je note un truc que j'ai dans la tête parce que sinon ça me trottait dans la tête. Je pense que les hommes ont tendance à considérer que c'est déjà tellement concurrentiel entre eux qu'on ne va pas en plus rajouter des femmes. C'est un petit peu comme si les hommes se faisaient la guerre entre eux, mais il y a une chose contre laquelle ils sont prêts à se liguer, c'est quand il y a en plus les femmes qui viennent s'insérer dans le débat. C'est vrai qu'on voudrait que le monde politique soit exemplaire, quoi. Il n'est pas toujours. Elle aime bien ça, penser qu'elle pourrait tout changer. Chez Nathalie Kosciusko-Morizet, on dirait ubériser la politique. Ce qui est intéressant dans le système Uber, c'est que on évalue le chauffeur, mais le chauffeur vous évalue. Et derrière, il y a des conséquences. Renverser l'ordre établi, en finir avec la politique à papa. Chacun évalue l'autre, et finalement, ça met tout le monde dans une démarche de progrès. Un truc qui existe pas tellement politique en dehors de l'élection. Bon, il faut quand même passer par les chemins classiques de la campagne, écrire un livre programme et se plier au jeu des dédicaces. Alors, le livre, c'est pour Thibaut. Alors, ça sera THI-BAUT. Vous êtes gauchère. Ouais. Moi aussi. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on présente 25% de l'humanité, mais... C'est pas sûr parce qu'il y a tellement de gauchers contrariés. C'est sûr. C'est réfléchissez. Imaginez, vous êtes droitière. On vous aurait obligé à écrire de la main gauche. Puis vous finissez, vous savez pas, vous finissez pas. Vous finissez au centre, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Savoir écrire des deux mains, ça rend plus agile pour signer des alliances. Il est temps de prendre le large. Sur les terres d'un de ses adversaires de taille à la primaire, NKM va parler coquilles avec les ostréiculteurs girondins. Voilà un petit peu le travail d'ostréiculteur. On en oublierait presque le panier de crabe de la politique. On a un petit peu de... Et le but de huit, c'est de s'accrocher partout. C'est comme en politique, en fait. Pardon ? Donc vous êtes en train de comparer les politiques à des larves huitrières. Oh non. Bon, elle a tout choisi, le beau temps, un gujan, il y a l'eau, la marée. T'as fait les bons choix, Nathalie. Parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau dans mon port. Et là, t'as fait les bons choix. Très bien accueilli par l'élu local, proche d'Alain Juppé. On se croirait presque en vacances. Du soleil au menu, des crustacés et des petits secrets. J'ai dit Alain, j'ai dit... Moi, je souhaite que tu sois candidate, ça c'est clair. Moi, j'aime beaucoup ça, cette liberté de ton que tu as. Voilà, c'est très important. Moi, ce que je lui ai expliqué, mais il le sait, on en a déjà parlé. Mais moi, j'ai des micros qui sont branchés, en fait, je suis en train de m'en... Bon, mais tant pis, moi, je dis ce que je pense, alors c'est pas grave. C'est mon truc, donc je t'en parlerai plus tard. Mais... Ça reste entre nous, hein. Mais ils s'entendent à merveille, les deux candidats. Je connais bien Nathalie depuis longtemps, j'ai pour elle beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. À Bordeaux, promenade nocturne, côte à côte. Il y a un petit côté roi et reine, non ? Bonjour ! Non, il faut trouver d'autres idées. Et dîner aux chandelles, sous les objectifs des photographes. NKM aurait-elle une idée derrière la tête ? Allez, c'est confidentiel.